Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Elle est femme politique, mais également militante des droits de l'homme. Kawala, la présidente du CPP, est notre invitée. Nous parlerons tout naturellement de la situation des droits de l'homme au Cameroun avec des militants de l'opposition qui ont récemment été incarcérés quand d'autres sont en résidence surveillée. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Président Kawala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes à Yaoundé depuis quelques jours et ça n'a pas arrêté de courir avec vous. Hein? Ça n'a pas arrêté de courir. Beaucoup de rencontres officielles, oui, avec les autorités administratives, avec la communauté diplomatique, avec des bureaux des Nations Unies. Oui. On a eu du pain sur la planche. Oui. Alors, nous sommes vendredi et vous êtes en noir. Et j'ai vu vos collaborateurs qui ont été reçus par les autorités, qui étaient également en noir. vous ne vous en privez pas, hein? À Yaoundé. À Yaoundé, oui. Oui. Il faut dire que il s'est avéré que, oui, la journée qu'on avait disponible pour rencontrer les autorités camerounaises, c'était le vendredi. Mmh. Et nous, il va de soi que le vendredi, nous serions en noir. Je dois dire que je suis contente que ça n'a pas fait l'objet de... On n'a pas été inquiétés de quelque manière que ce soit. Nous sommes arrivés en noir à la primature, nous sommes arrivés en noir au Minat, nous avons été reçus, le constat a été fait quand même, oui, par les uns et les autres. Oui, parce que non seulement vous étiez en noir, mais j'ai vu vos camarades qui avaient quand même des t-shirts floqués. Absolument, stand up for Cameroon. Oui, oui. Je crois qu'il est très important de l'espace de liberté, elle doit se conquérir. Oui. Et en ce moment au Cameroun, il est très très important pour nous tous qui croyons vraiment en ces droits-là, de les affirmer. Je ne peux pas vous dire qu'on n'avait pas quelques inquiétudes, oui, derrière la tête. Oui. On est dans une ville où on arrête les gens pour un oui ou pour un non. Nous, on a déjà été arrêtés dans cette ville multiples fois pour le port du noir, mais nous avons estimé que c'est notre droit. Nous sommes tout à fait dans la légalité et donc il ne faut pas commencer à faire de l'autocensure, oui, parce que vous allez rencontrer, oui, des autorités. J'imagine que les fonctionnaires des services du Premier ministre et du Minat vous regardez avec des gros yeux, hein, entrer dans le ministère en noir avec des t-shirts très militants. Je crois qu'on a suscité un peu d'intérêt, oui, mais je dois dire pour cette visite, oui, qu'on a été reçus de manière très professionnelle dans ces deux structures-là. C'est tant mieux. Voilà. Alors, que sont devenus les militants du CPP et de Stand Up for Cameroon qui ont été arrêtés il y a quelque temps à la suite des manifestations que vous aviez appelées le 22 septembre dernier? Alors, les membres de Stand Up, oui, on a 5 membres de Stand Up, donc 4 qui sont actuellement en prison. Donc, oui, 4 qui ont été arrêtés le 18 septembre, oui, avant la marche du, oui, 22, et une personne qui a été arrêtée lors de la marche du 22. Il faut dire que Stand Up n'a pas participé à la marche du 22. Nous n'avons pas fait partie du groupe qui a appelé à la marche ces jours-là. Néanmoins, nous avons été très inquiétés pendant cette période-là. Le 18, ces 4 personnes ont été arrêtées à Douala
au même moment, notre siège à Yaoundé, où moi-même j'étais, a été encerclé par une cinquantaine de polices et de gendarmes. Le sous-préfet lui-même, à 20h du soir, était devant notre bureau. Les quatre personnes sont encore à Newbel, à la prison de Newbel. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont sortis d'une réunion du vendredi en noir. Oui. Nous n'avons pas appelé à la marche du 22. Néanmoins, ils ont été arrêtés. Ils ont été. On a signé une détention à la prison de Newbel. Ils sont traduits devant le tribunal militaire. Ah oui. Devant le tribunal militaire pour insurrection, révolution, conspiration. Vraiment, on n'en revient pas. Oui. Leur famille non plus, d'ailleurs. Et voilà, ça fait un mois, un peu plus d'un mois, ils sont encore derrière les barreaux. Derrière les barreaux. Oui. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Alors, quelles sont les démarches qui ont été entreprises? Parce que j'imagine que vous n'allez pas les laisser tomber. Non, absolument. Ouais. Donc, d'abord, moi, je dis un très grand merci à tous les avocats des droits de l'homme au Cameroun. Il y a un groupe d'avocats, c'est d'ailleurs toujours les mêmes, à qui nous tous, nous faisons appel, partis politiques, associations, etc., qui font un travail formidable et qui ont commencé le 18 avec nos jeunes, qui ont continué le 22 avec ceux qui ont été arrêtés pendant la marche et qui sont d'une assistance formidable auprès de ces jeunes. Pour les quatre qui ont été arrêtés le 18, nous insistons maintenant vraiment là où nous faisons un plaidoyer, oui, c'est pour qu'ils passent devant le juge. Oui. Parce que leur dossier est vide, vraiment il n'y a absolument rien dedans. Oui. Et on est persuadé que s'ils passent devant le juge, on va constater que... Voilà, oui. Maintenant, nous continuons à accompagner le membre de Stand Up for Cameroon qui a choisi de marcher le 22, oui, c'est tout à fait son droit. Oui. Et nos avocats font partie de ceux qui défendent aussi les militants du MRC, oui, qui ont été arrêtés. Parce que nous estimons que ces personnes-là ont fait une marche non violente, une marche qui est permise par la constitution camerounaise, et que dans tous les cas de figure, vu qu'aucun acte de violence, pas un seul acte de violence, n'a été enregistré venant de la part des marcheurs, il n'y a pas de raison qu'ils soient derrière les barreaux. Oui. Même si on veut les poursuivre en justice pour quelque raison que ce soit, et encore nous, on ne comprend pas. Il y a des organisateurs de la marche, on ne comprend pas pourquoi les marcheurs feraient l'objet de poursuites, mais ils pouvaient comparaître libres. Alors, donc oui, nous travaillons avec les avocats dans ce sens-là, mais tout le plaidoyer, cette semaine à Yaoundé, c'est les quatre jeunes de Stand Up for Cameroun, les militants du MRC, le président du MRC qui est séquestré chez lui, et les harcèlements dont nous faisons l'objet. Parce que jusqu'à ce matin, la commissaire spéciale de Yaoundé 5e était devant la porte de notre siège, essaye d'intimer que nous n'avons pas le droit de tenir nos activités. Donc nous sommes allés voir les ministres pour leur dire c'est quoi le problème. Alors, il n'y a pas eu d'acte de violence, dites-vous, lors de votre mobilisation le 18 septembre ou alors lors de la marche appelée par le MRC le 22. Mais il n'empêche que des militants du MRC et vos militants également ont été arrêtés. Ça fait exactement un mois que Maurice Kamto, le président du MRC, est en résidence surveillée. Les cadres de son parti sont incarcérés au CED et d'autres militants encore anonyme. Alors, au regard de tout cela, quel est le regard que vous portez sur la situation des droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui? Extrêmement inquiétant. Oui. Extrêmement inquiétant. Et c'était notre message aujourd'hui, aussi bien auprès des autorités camerounaises que auprès de nos partenaires sur le plan international. Nous sommes en train de voir une dégradation. Oui. D'abord, et je l'ai dit au ministre camerounais, l'État doit respecter la loi. Quand l'État ne respecte pas la loi, on est face à un État voyou.
Et quand l'État est voyou, c'est la porte, c'est l'anarchie. Parce qu'à partir du moment où celui qui a la responsabilité du respect de l'État de droit ne respecte pas le droit, ben ça veut dire que tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Et ce que nous constatons actuellement en ce qui concerne ces libertés, c'est que les policiers débarquent chez nous. Moi-même, j'ai été assignée à résidence le temps d'une matinée dans cette période. Ils débarquent chez nous, ils n'ont aucun document, rien. Aucun mandat. Ils ne sont pas dans le cadre d'une procédure ni administrative, ni une procédure qui a été initiée par un juge. Ils arrivent chez vous, ils disent « vous n'avez pas le droit de sortir ». Quand vous en parlez avec les ministres que vous avez rencontrés, est-ce que vous les sentez quand même, vous sentez qu'ils vous écoutent ou alors ils sont... quel est leur état d'esprit? Quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils se disent « allez-y, causez toujours, Madame Kawala ». Écoutez, on a l'impression, c'est un mélange. Oui. On a l'impression que pour certains, c'est très certainement ça le cas. Oui. Même s'ils ne... ne le disent pas. Voilà, même s'ils sont trop polis face, face aux leaders que nous sommes, pour le dire comme ça, on sent très bien qu'ils se disent « tant pis pour vous oui. ». D'ailleurs, on a eu un ministre qui nous a dit bah, « écoutez, c'est à vous de faire attention, il ne faut pas être au mauvais endroit au mauvais moment ». Ah oui, carrément. Carrément. Donc, on a dû lui rappeler que... On a dû lui poser la question dans quelle loi camerounaise... c'est quoi le mauvais moment et voilà, le mauvais endroit? Voilà, ça s'inscrit dans quel cadre légal, là, le mauvais endroit au mauvais moment. Donc, il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit dans ce régime où... ils sont encore dans le parti unique. Oui. Ils ont encore l'impression que le fait qu'on existe même, c'est une faveur qu'ils sont en train de nous faire. Et que on nous a aussi parlé de reconnaissance aujourd'hui, hein, que nous ne sommes pas suffisamment reconnaissants en tant que peuple par rapport à toutes les libertés que M. Biya nous a données, etc. etc. Donc on, gracieusement, j'imagine. Donc il y a un vrai problème d'état d'esprit, de culture. Mais jusque-là, pour moi, c'est, je ne veux pas les comprendre. Oui. C'est-à-dire, vraiment, that's their problem. Il y a un cadre légal. Certaines de ces lois sont injustes. Et nous, quand nous allons enfreindre les lois injustes, on sait ce qu'on est en train de faire et on sait quelles sont les conséquences possibles. Mais c'est quand même un recul, non? Qu'aujourd'hui, en 2020, 30 ans après le retour au multipartisme, qu'on en soit encore à incarcérer les gens pour des manifestations publiques, que des partis politiques de l'opposition fassent l'objet de toutes sortes de restrictions et de brimades. Absolument. C'est un recul quand même... C'est un recul important. Oui. C'est un recul important qui a commencé, je dirais, il y a environ 5 ans. On a vraiment commencé à voir les choses se dégrader il y a environ 5 ans. Ça s'est très fortement dégradé dans le cadre des crises Boko Haram et anglophones. On a vu un piétinement des droits incroyable qui s'est passé dans le cadre de ces deux crises-là. Avec l'élection présidentielle de 2018, les brimades ont commencé dès 2017 et ont continué jusqu'à ce jour. Donc, de ce côté-là, vraiment, c'est triste pour le Cameroun. On a eu un ministre qui nous a dit, voilà, il y a un cadre légal, vous devez déclarer, et si la déclaration est refusée, voilà, il faut respecter la loi. Et on lui a demandé, ok, sur les 5 dernières années, quelle est la marche de l'opposition qui a été autorisée, que vous avez, dont vous avez accepté la déclaration? Silence. Quelle est la marche d'une organisation de la société civile qui n'est pas du bord du régime, qui a été dont vous avez accepté la déclaration? Entre-temps, et c'est là où il y a réelle injustice, entre-temps,
Je suis certaine qu'il y aura des meetings du RDPC ce week-end qui vont bloquer la voie publique. Le RDPC, lui, il marche quand il veut. Les personnes qui veulent dire Paul Biya, il est le meilleur, il est le plus grand, le plus fort, par miracle, ils arrivent à avoir des autorisations en 24 heures pour marcher. Oui. Donc, ce sentiment, cette injustice que l'administration ne fait qu'infliger sur les Camerounais, et ça, c'était un de nos messages forts vis-à-vis de l'administration, c'est de dire, attention, vous poussez les gens à bout, et nous, les non-violents, on n'aura plus d'écoute. Les gens ne vont pas nous écouter parce qu'ils nous disent déjà, vous prêchez la non-violence, on nous arrête. Vous prêchez la non-violence, on nous tape. Ça va durer combien de temps? Alors, pourtant, vos manifestations, pardon de vous le dire, ne réussissent même pas à mobiliser grand monde. Que ce soit les manifestations que vous-même vous avez appelées, celles appelées par le MRC le 22, ça n'a pas été des manifestations d'un grand succès populaire. Pourquoi ne réussissez-vous pas à mobiliser, à ratisser l'âge? Je pense d'abord c'est une question plus compliquée qu'elle ne le semble. Oui. D'abord, pour pouvoir tirer cette conclusion, il aurait fallu qu'on puisse, on puisse avoir la liberté de mobiliser. Donc, nous-mêmes, je vous dis honnêtement, nous-mêmes, on a du mal à évaluer nos capacités de mobilisation parce qu'à partir du moment où vous faites un vendredi en noir, on vient arrêter les gens. Vous faites une réunion dans le cadre de votre siège. Oui. Vous êtes entouré par 50 policiers. On a du mal à mesurer est-ce que les gens adhèrent à notre message ou pas. Oui. Parce que maintenant, c'est pas le message auquel on est en train de demander aux gens d'adhérer. On est en train de demander d'avoir le courage de mettre leur vie en jeu à cause d'une conviction. De braver les interdictions. Non, de mettre leur vie en jeu parce que quand vous allez manifester et que vous vous retrouvez avec des jets d'eau, vous manifestez, vous vous retrouvez avec des policiers qui tapent sur vous avec les bâtons, on demande beaucoup aux gens. Maintenant, cela dit, nous sommes convaincus que la seule sortie pour nous en tant que Camerounais, c'est une transition politique qui passe par la mobilisation massive populaire. Mais comment allez-vous faire cette mobilisation massive populaire quand les gens ne répondent pas au mot d'ordre, peut-être parce qu'ils ont peur, comme vous l'expliquiez tout à l'heure? Aujourd'hui, nous travaillons sur deux choses. Oui. Nous travaillons déjà sur la capacité de mobilisation individuelle de chacun de nos formations politiques, ONG, etc. Et de ce côté-là, j'aimerais vous dire, non, notre impression est contraire. C'est-à-dire que notre capacité de mobilisation il y a 3 ans et la capacité de mobilisation aujourd'hui est nettement meilleure malgré toutes ces contraintes-là. Qu'il y a une évolution. On compte les gens. Donc on sait que notre capacité de mobilisation aujourd'hui est nettement plus forte qu'il y a 2-3 ans. Maintenant, le deuxième facteur, c'est la mise en commun. Oui. Ce qui est aussi clair aujourd'hui, c'est que aucune organisation ne va pouvoir mettre les 10 000 personnes, les 20 000 personnes dans la rue qu'il faut pour avoir un impact. Et c'est là votre tendon d'Achille. Cette question-là aussi aujourd'hui, pour nous, à Stand Up For Cameroun, on a plus d'espoir aujourd'hui qu'on en avait il y a un an. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie cet espoir-là? Cet espoir se justifie par le fait que on se parle. Oui. On est en train de se parler en tant que parti politique de l'opposition, en tant qu'organisation qui sont convaincues par une transition politique. Mmh. On se parle, on s'est déjà mis d'accord plus ou moins sur l'idée d'une transition politique comme objectif d'une mobilisation. Mmh. On n'avait pas ça il y a 3 mois, il y a 6 mois. Mmh. Donc on a déjà un accord sur qu'est-ce qui nous amènerait, qu'est-ce qu'on vient faire ensemble? Quel est l'objectif très global qu'on veut atteindre? On a déjà des discussions qui se passent sur comment est-ce que ça peut se faire, quelle stratégie, etc. etc. On est embêté en ce qui concerne ça maintenant par
l'arrestation des militants du MRC, la séquestration de leur président, parce que c'est une des organisations importantes avec lesquelles nous avions ces discussions. Mais les discussions continuent. Est-ce que ça promet? Parce que lors des manifestations du 22 septembre, par exemple, on a observé qu'il y avait une approche de mutualisation, en quelque sorte, des forces entre votre mouvement et le MRC. Mais à un moment donné, on a eu l'impression que tout cela est parti en vrille. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est la mauvaise impression. Parce que vos militants n'ont pas marché le 11. Il y a un seul militant qui a marché le 22. Oui, voilà. Et il n'a pas marché au nom de l'organisation. Donc, pourquoi est-ce que le MRC et le CPP n'ont pas marché main dans la main et Stand Up for Cameroun également? Voilà. Donc, je crois que il y a une question de timing qui était claire. Hein. Oui. Je pense que le MRC a lancé d'abord l'idée d'une marche et a pensé à contacter les autres après. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils avaient déjà mis dans le public la date du 22 et nous, par exemple, on se rend compte pour la première fois le 13 septembre. Donc c'était trop juste pour donc, vous. Donc, dès la réunion du 13, on a dit au MRC, on ne sera pas là le 22 pour dire que en 9 jours, logistiquement, on peut donc on ne peut pas le faire sur le plan logistique. Sur le plan de la stratégie, on a, lors de cette réunion du 13, juste commencé à s'accorder sur quelques points minimes. Il y avait encore beaucoup de points sur lesquels il fallait qu'on s'accorde. On n'a pas eu matériellement le temps de discussion pour s'organiser pour ça. Et je sais que ce n'est pas seulement le cas pour Stand Up for Cameroun, c'était aussi le cas pour d'autres formation. Organisations en ce qui concerne le 22. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a continué les discussions avec ces organisations-là et que ces réunions sont en cours là maintenant. Pendant que je vous parle. Et c'est pour nous, c'est ce qui donne espoir. Alors, on veut bien être d'accord avec votre espoir. On veut avoir le même optimisme que vous. Mais si la guerre contre Boko Haram, avec tout ce que cela comporte, n'a pas pu mobiliser les Camerounais, si la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, avec son lot de massacres, plusieurs milliers, n'a pas pu mobiliser les Camerounais, si les violations massives des droits de l'homme n'arrivent pas à mobiliser les Camerounais, qu'est-ce qui va faire que les Camerounais se lèvent? J'espère que vous n'êtes pas en train de penser que les Camerounais ne sont pas mobilisables. On commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Non, je pense que pour nous qui sommes au front, bien sûr, on est impatients. Votre question, vous pouvez imaginer que je la reçois chaque jour dix militants qui me disent « Mais qu'est-ce qu'il faut pour mobiliser les gens ?» Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde la chance que nous avons en tant que Camerounais, c'est qu'il y a multiples pays africains qui ont fait ce que nous voulons faire ces dernières années en Afrique. Et nous, au niveau de Stand Up, on a pris la peine de contacter les militants au Burkina Faso, en Tunisie, au Soudan, pour demander... Partage d'expérience. Voilà, comment avez-vous fait, etc. Et tous nous disent, on était exactement dans votre position jusqu'à quelques jours avant que la mobilisation ne se fasse. C'est-à-dire, nous aussi, on a passé des années et on se demandait qu'est-ce qui ne va pas avec ce peuple, comment ça se fait que... Et ils nous disent qu'il y a une seule chose à faire, continuer à travailler. Oui. Alors, personne ne peut vous dire le jour, ni même le motif. Le motif, le déclic. Le déclic. Oui. Mais la situation de gouvernance est telle qu'il y a tellement d'opportunités, il y aura une qui va... créer un... Alors, quand vous écoutez Kawala, vous parlez désormais très peu d'élections. Pour vous, le changement va se faire autrement que par la voie des urnes. Est-ce que c'est démocratique, ça? C'est absolument démocratique. Le pouvoir est celui du peuple. Il y a un monsieur au pouvoir qui a été élu et vous voulez le chasser par la rue. Le pouvoir est celui du peuple. Oui. Et le monsieur qui a été élu, ça fait plus de 38 ans qu'il a
détourner, déformer le système électoral en instrument pour se maintenir au pouvoir. Mmh. Il n'est pas là-bas démocratiquement. Hein? Il n'est pas au pouvoir démocratiquement. Ah, il a gagné les dernières élections avec 71%. Non, c'est pas parce que si vous avez quelqu'un... Et il s'en veut d'ailleurs, parce que 71% comparé à ce qu'il y a eu avant. Voilà. Donc, si vous jouez à un tournoi de foot et il y a une équipe qui change complètement les règles en sa faveur, qui, quand on lui demande qui sera l'arbitre du match de foot, il dit « Ah, j'ai un ancien joueur ici, je vous l'impose. Oui. » Qui seront les arbitres de touche ? « Ah, j'ai deux autres anciens joueurs ici. » Qui va vendre les billets pour entrer au stade ? « Ah non, j'ai un groupe d'anciens joueurs oui. ici qui vont... » Ce n'est pas le fait qu'il joue ce match et qu'il gagne qui fait de ça un match. On n'a pas d'élection au Cameroun. On n'a pas d'élection. Il faut qu'on arrête de donner un nom à quelque chose qui n'en est pas un. On n'a pas d'élection à partir du moment où... je ne sais pas si vous vous souvenez, pour l'élection en 2018, là, le jour du lancement... vous avez refusé de participer. De participer, oui. Parce que nous, c'est fini depuis longtemps, dès le départ, les élections. Donc... à l'élection en 2018, le jour de lancement de la campagne électorale, les meetings de deux candidats étaient interdits. En pleine campagne. Le jour de lancement de la campagne. Ouais. Non, c'est extraordinaire. Ouais. On ne peut pas continuer à aller en compétition avec quelqu'un qui... on était... en réunion avec le ministre de l'administration territoriale. Mmh. C'est son ministre qui est le régulateur de l'activité des partis politiques. Mais ce ministre, il n'est pas seulement RDPciste, il est membre du comité central et il est biaïste, convaincu. Mmh. Donc, imaginez que lui, il régule l'activité des partis politiques. Des partis qui veulent évincer Biya. Soyons sérieux. Oui. Alors, vous suivez l'actualité, c'est chaud en ce moment au Nigeria où une partie du peuple, assez importante quand même, est descendue dans la rue pour manifester contre les violences policières. Et ce mouvement, chose extraordinaire, est en train d'être accompagné par de grands artistes, vraiment des grands noms de la musique nigériane et même mondiale. Alors, quand vous regardez ce genre de choses au Nigeria, Kawala, vous imaginez que de votre vivant, vous verrez des artistes vous accompagner dans la rue lors d'une manifestation. Est-ce que je suis un peu jalouse? Stand up for Cameroun, est-ce que vous les enviez? Je suis un peu jalouse, très oui. certainement. Oui. Bon, d'abord, je suis très, très, très solidaire. Nous sommes à Stand Up for Cameroun déjà des panafricanistes, donc on est très solidaire de tous les mouvements en Afrique qui luttent pour la liberté et qui luttent pour la démocratie. Donc nous sommes très solidaires avec tous les activistes nigérians. On a été impressionnés et on a. Nous avons littéralement pris des notes. Oui. Littéralement, on observait ce qui se passait et on avait nos cahiers pour dire, voilà, il faut apprendre ceci. Parce qu'ils ont fait une démonstration d'une capacité d'organisation extraordinaire. Bon, vous savez, les Nigérians, ils sont 10 fois plus grands que nous autres. Oui. Ils ont une capacité de mobilisation qui est très, très forte. Mais c'était aussi très, très bien organisé. Les artistes ne sont pas venus le premier jour. Oui. Les gens doivent... Oui, ils ont rejoint le mouvement en cours. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord une organisation. Ouais. Le peuple doit comprendre que son destin est entre ses mains. Il faut arrêter de se dire pourquoi les tels ne sont pas avec vous, pourquoi les si ne sont pas dehors, etc. Dès que vous êtes en mouvement et que les gens voient que c'est sérieux, ils rejoignent. Ils n'ont même pas de choix parce qu'ils se disent que oh, après demain, qu'est-ce qu'on va dire que je ne faisais pas partie de ce mouvement. C'est dans mon intérêt de rejoindre. Mais je viens de voir
Vous avez vu un hashtag camerounais qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers jours, le handphone tax. Et puis, un deuxième hashtag a été lancé, End Anglophone Crisis. Et il y a des artistes, je dois féliciter un grand artiste comme Ben Deka. Ben Deka, oui, qui suit le mouvement. Qui suit le mouvement. Mm. Je crois que sur Infotax, on a vu Blanche Bailly. Oui, oui. On a vu... Rebecca Enon Chambon, qui est artiste. Voilà, oui. Voilà. Il y a une autre artiste anglophone femme... Daphné. Voilà, donc on a vu des artistes... Oui. Il y a quand même quelques artistes qui réussissent à faire entendre leur voix. On peut en citer, hein, Richard Bona, Valsero, Karès Fotso. Voilà. Donc ça, c'est, ça commence à prendre. Oui. Ça commence à prendre. Et je crois que c'est dans cette direction que les choses vont évoluer. Oui. Ça aussi, ça me donne beaucoup espoir. Mm. Alors, vous parliez, Madame la Présidente, tout à l'heure de la crise anglophone. Au fait, où en est-on avec cette crise-là? La crise anglophone, on est dans une situation actuellement où il est vrai, il y a une baisse des violences de la part des séparatistes. Il y a une baisse des violences. On a l'école qui a repris timidement, très timidement, dans certaines parties du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a d'autres parties où l'école n'a pas repris du tout. Et malheureusement, j'ai l'impression que le gouvernement pense qu'il a le dessus, que par la violence, par la force, ils ont réussi à gagner, ils ont gagné la guerre. La guerre. Oui. Sauf que ça voudrait dire qu'ils ne comprennent pas que le problème de fond n'était pas avec les séparatistes qui ont pris des armes. Ça, c'est un groupe très, très minoritaire et qui a choisi une forme de lutte extrémiste qui est considérée comme extrémiste par l'ensemble des anglophones. Le problème de fond est les discriminations que les anglophones ont subies pendant toutes ces années, la marginalisation, l'échec d'unité nationale, l'échec de faire à ce que chaque Camerounais, d'où qu'il vient de l'Union, quelle que soit la voie par laquelle il est entré dans l'Union, se sente à 100% Camerounais. Ce problème-là est intact. Et il a été aggravé par toutes les injustices qu'il y a eu ces quatre années, par toutes les violences qu'il y a eu ces quatre années, par toutes les horreurs qu'il y a eu, certes, il y a eu des horreurs de la part de séparatistes. Et j'entends toujours les gens les mettre dans la balance. Oui, le gouvernement, l'armée fait certaines choses qui ne sont pas correctes, mais les séparatistes aussi. Non, ils ne sont pas dans une balance. Moi, je n'ai jamais donné 5 francs à un séparatiste, mais je paye les salaires de l'armée camerounaise. C'est nous, les Camerounais, qui contribuons pour que cette armée existe. Et nous le faisons dans l'objectif qu'ils vont protéger en premier lieu la vie camerounaise. Cette vie n'a pas été protégée toutes ces quatre années. Les populations aujourd'hui continuent à percevoir l'armée comme une force négative, tout comme ils perçoivent les séparatistes comme une force négative. Mmh. Et ça, c'est grave. Oui. C'est extrêmement grave. Alors, que l'armée régulière soit perçue plus ou moins de la même manière. Comme une force d'occupation. Comme une force d'occupation. Mmh. Actuellement, la dernière opération qui est encore en cours, c'est Bamenda Clean. Quelle idée
quelle idée d'utiliser. Je ne sais pas si ces gens savent ce que veut dire le cleansing en anglais. Il est presque toujours associé à... il est presque toujours négatif quand on l'utilise dans un contexte de guerre. Oui. Il a été associé à des génocides, à des... Donc, le nom même était très mal choisi. Ouais. Mais qu'est-ce que les populations disent ? Nous avons fait toute cette tournée ici à Yaoundé avec les maires de la nation. Maires de la nation venant de Bamenda pour raconter ce qui se passe sur le terrain. Elles nous disent, dans le cadre de Bamenda Clean, on est dans nos maisons, l'armée toque sur la porte, gare à vous s'il y a un jeune homme dans la maison qui a entre 15 et 40 ans. On va le prendre. Oui. On va le prendre. Vous allez avoir soit à monnayer pour qu'on le relâche, soit il va partir et vous ne savez pas très bien là où il part. Elles continuent à être terrifiées de l'armée. Elles ont dit au ministre, démilitariser. Alors, vous n'avez pas utilisé le mot tout à l'heure, mais on a perçu dans vos propos le fait que les anglophones soient marginalisés. Cela a été dit à moult reprises. Est-ce que vous pensez que les élections régionales qui vont être organisées à la fin de cette année, le 6 décembre prochain, vont pouvoir apporter un début de solution aux problèmes anglophones? Non. Non. C'est très simple, très clair. Non. Qu'est-ce qu'il faut alors? Les solutions à ce problème sont les mêmes solutions qu'on a proposées il y a 4 ans. Il faut le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'est pas la domination progressive des groupes jusqu'à ce qu'on tue le dernier. Non, le cessez-le-feu est un signal qu'on a choisi de ne plus utiliser la solution militaire comme seule solution à ce conflit. Il faut le dialogue. Oui. On ne va pas s'en passer. Il y a eu tout un grand dialogue national. C'était une farce. Oui. Le grand dialogue national, c'était une farce. Les membres d'un parti qui se parlent entre eux, vraiment, ils auraient dû appeler ça congrès du RDPC, thématique spéciale, crise anglophone. Oui. Et ce serait passé... Bon, les quelques partis politiques de l'opposition qui ont participé à cette affaire ne seront pas très contents de vous écouter. Non, parce que ces partis politiques-là, dans les congrès que nous tous nous faisons, on invite d'autres partis, ils sont là. Mais ils sont des figurants. Et c'était le cas pendant ce grand dialogue national. Ces partis-là ne peuvent pas nous dire quelle était leur contribution à ce dialogue, quel était l'apport. Donc, on doit passer par le dialogue. Et chaque jour que le gouvernement attend, plus complexe devient le dialogue. Il y a 4 ans, on aurait pu faire un dialogue au niveau national et peut-être inviter quelques personnes de l'extérieur, ce serait très bien passé. Aujourd'hui, il y a des groupes armés dans presque tous les villages. Dans presque tous les villages, des frères ont tué des frères. Parce que quand on dit séparatiste, là, ce n'est pas un groupe à part. Oui. Ce sont des membres de ces communautés-là. Donc, les séparatistes ont tué un de leurs frères. Un autre frère a montré la maison de son frère aux militaires et celui-là a été tué. Donc aujourd'hui, il y a des déchirures dans ces communautés qui sont extrêmement profondes. Donc aujourd'hui, pour faire le dialogue, il faut y aller dans les 13 départements du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, entrer dans chaque département et aller village par village pour commencer à construire la paix. Et c'est ce travail-là que le gouvernement a l'impression qu'il peut occulter. Ils ont l'impression, on a discuté avec eux, ils ont l'impression que non, on a gagné la guerre, c'est fini, là. La crise est finie pour le gouvernement. Or, on sait ce que c'est, ce type de blessure-là. Donc, pour vous, même une victoire militaire ne signifierait pas la fin de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Absolument pas. La solution militaire
a été nécessaire. C'est-à-dire, on n'est pas des enfants de... on n'est pas en train de dire les gens ont pris des armes et puis on les regarde et puis on les berce. Non, on est en train de dire oui, il y avait la nécessité d'utiliser la force, mais elle n'était pas la principale, elle n'aurait pas dû être la principale stratégie. Le gouvernement a aggravé la violence avec sa violence. D'ailleurs, c'est elle. Il ne faut jamais qu'on oublie ça, que c'est les forces de l'ordre camerounais qui ont introduit la violence dans un combat qui était non violent. Oui. Donc, les solutions ne sont pas simples aujourd'hui. Et malheureusement, le constat que nous avons en discutant avec le gouvernement, c'est qu'ils ont l'impression que tout va bien. Oui. Je vous propose, madame, de prendre une petite pause et nous revenons juste dans quelques secondes pour la suite de cette émission. Made with virgin pulp of our forests, Tioff is a derivative of pure cellulose wadding, a handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tioff pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tioff. Homemade. By us. For Africa. Plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifiée de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module anti-vol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifié. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invitée Kawala, présidente du CPP. Avec elle, dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué la situation des droits de l'homme au Cameroun. Nous allons continuer cette émission avec l'actualité. Il nous reste exactement 10 minutes, le temps passe vite. Alors, les résultats de l'ENAM pour l'année 2020 continue de faire des vagues. Il y a des contestations qui n'en finissent pas. On dénonce ça et là beaucoup de tripatouillages et beaucoup estiment également que les répartitions n'ont pas été respectées sur des bases tribales, n'ont pas été respectées. Est-ce que pour vous c'est un vrai ou un faux débat? Je crois que les Camerounais doivent faire très attention. Là où on doit parler des problèmes de fond, on a tendance à nous amener sur des problèmes qui certes sont importants pour le pays, c'est-à-dire la représentativité, s'assurer que dans toutes nos institutions, les concours donnent une chance égale à tous et que vraiment les gens ont l'opportunité d'accéder aux grandes écoles, etc. etc. C'est une réelle question. Maintenant, la répartition tout simplement sur les bases ethniques, là n'est pas la question de l'ENAM aujourd'hui. Oui. C'est l'ENAM qui produit les sous-préfets avec lesquels nous avons des sérieux problèmes. C'est l'ENAM qui produit les préfets. C'est l'ENAM qui produit les gouverneurs. C'est l'ENAM qui produit cet état d'esprit où ils ont l'impression qu'ils font partie
de du parti au pouvoir, c'est-à-dire où on n'arrive pas à séparer le parti de l'État. L'administration du parti. Voilà. Oui, donc on a l'ENAM est un pilier de la construction du parti État. Combien de fois, moi j'ai eu un sous-préfet qui était en train de m'interpeller et qui avait son t-shirt RDPC qui était visible sous son uniforme. Donc je vais dire, le problème n'est pas qui a eu quel pourcentage pour entrer à l'ENAM, le problème c'est l'ENAM. C'est est-ce que nous avons besoin d'une telle institution? Alors, au Cameroun. Est-ce qu'on a besoin de l'ENAM au Cameroun? Dans sa forme actuelle, non. Absolument pas. Dans c'est quelle forme l'ENAM serait utile? Le fait de former des administrateurs est une chose nécessaire et importante pour tout pays. Mais aujourd'hui, l'enseignement de cette école, la culture de cette école, ce qu'elle produit n'est pas constructif pour le Cameroun. Et donc, quand nous, on parle de transition politique, on parle de la réforme totale. C'est quoi la relation entre l'État et le citoyen? Un administrateur m'a dit aujourd'hui que l'État est tout puissant et qu'on doit faire attention, nous les citoyens, qu'il faut faire attention, il ne faut pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Non, monsieur. Je lui ai rappelé que en commençant par les chefs de l'État, moi, citoyen, je paye votre salaire, je paye celui du chef de l'État. En anglais, on appelle du chef d'État jusqu'au planton, civil on vous appelle servant. Civil servant. Le civil, c'est moi, le civilian, que vous servez. Vous êtes à mon service, pas le contraire. Donc, c'est tout cet état d'esprit qu'il faut changer. Et l'ENAM fait partie des institutions. La formation des administrateurs doit changer complètement. Et cette politique de l'équilibre régional qui est aujourd'hui, non pas remise en question par beaucoup, mais plutôt contestée. On estime que les quotas n'ont pas été respectés. Cette politique de l'équilibre régional. L'équilibre régional essaye de corriger des problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Pourquoi il n'y a pas assez d'écoles dans le Grand Nord? Il n'y a pas assez d'écoles. C'est ça le problème. D'écoles du primaire, du secondaire, d'université, etc. Il n'y en a pas. Donc on ne peut pas venir à la fin dire pour entrer dans les grandes écoles, on va rectifier ça par l'équilibre régional. Non, donner une bonne éducation à tous les Camerounais de manière équitable et vous n'auriez pas de problème d'équilibre régional parce que les meilleurs de chaque région vont compétir et ils seront meilleurs parce qu'ils ont eu les mêmes chances, les mêmes opportunités. Donc, il faut régler le problème à partir de la base et non pas essayer de... De rattraper. Cette histoire avec l'ENAM a fait ressurgir quelque chose qui est devenu très, très présent dans l'espace public au Cameroun, amplifié par les réseaux sociaux, c'est le discours tribal. La haine tribale, le discours haineux sur des bases tribales, est très très présent aujourd'hui dans l'espace public. Est-ce que c'est une préoccupation pour la militante que vous êtes, Kawala? Absolument. Je n'ai pas l'impression que c'est l'ENAM. L'ENAM a peut-être fait un petit pic. Absolument, Mais nous voyons depuis, je crois, environ 2017, une montée de hate speech, de discours haineux. Totalement décomplexé désormais. Les gens ne se cachent plus. Les gens ont de discours haineux sur multiples sujets, mais quand c'est ça à la base l'appartenance ethnique, c'est particulièrement dangereux, préoccupant, parce que ce discours-là, on est en train d'essayer de construire une nation. Et les crises dans lesquelles nous sommes aujourd'hui nous montrent qu'on a failli très très sérieusement, souvent sur des bases d'appartenance communautaire, à construire cette nation. Alors que ceux qui se projettent vers l'avenir, parce que ceux qui ont ce discours-là,
sont des jeunes. Oui. Encore plus dangereux, non? Quand cet âge du discours vient des jeunes. C'est très dangereux. C'est inadmissible quand je vois ce discours venant des personnes qui se disent militants. Donc, je suis militant pour un parti politique, pour une ONG, etc. Je vais construire un Cameroun, d'une part, et de l'autre part, je suis dans un discours de haine vis-à-vis d'autres Camerounais. Non, c'est complètement inacceptable. Et c'est des choses sur la base desquelles je dis aux Camerounais, là, vous éliminez. Oui. Vous dites, vous ne pouvez pas être mon leader, vous ne pouvez pas être une personne que j'écoute, vous ne pouvez pas être... Ça, vraiment, on doit être strict là-dessus. Oui. Alors, une loi, on pensait que pour lutter contre la montée de la haine tribale, du discours haineux, une loi pourrait résoudre le problème. Une loi a été votée à cet effet, mais malheureusement, aucun magistrat peut-être n'a pas le courage ou alors ne pense pas que c'est nécessaire d'ouvrir des procédures judiciaires contre des individus qui tiennent des propos tribalistes sur la place publique. Est-ce que vous pensez que le pouvoir veut vraiment combattre le tribalisme au Cameroun? Non. Pour ce pouvoir, le tribalisme est un instrument. Mmh. Il a toujours été. Et c'est pour ça que par rapport à ce pouvoir qui, vous le savez, pour nous, le pouvoir doit partir. On doit reconstruire le Cameroun, on doit refonder le Cameroun. Donc, je passe peu de temps sur le pouvoir actuel. Ils font partie de notre passé. Le seul travail qu'on a, c'est accomplir le geste qu'il émet définitivement dans le passé. C'est le seul travail. On n'a pas à les analyser, les comprendre et tout ça là. Non, on doit les mettre. Je suis plus préoccupée par les Camerounais eux-mêmes qui disent... Je veux un changement, je veux un nouveau Cameroun. Et là, vraiment, je donne la responsabilité à chaque citoyen. Je ne permets pas, quand je suis dans un groupe WhatsApp et qu'il y a des propos haineux, je dis non, ce n'est pas permissible. Oui. Vous ne pouvez pas tenir ce discours-là dans ce groupe. Okay? Quand je suis avec des groupes de personnes, on peut être, et ça je peux vous dire, en tant qu'anglophone, il y en a qui m'en veulent pour ça. Non, je ne vais pas être avec des anglophones qui me tiennent un propos, qui disent que tous les anglophones sont bons, tous les francophones sont mauvais. Non, je ne veux pas permettre ça. Et donc je crois là-bas que chacun d'entre nous a du pouvoir. On a du pouvoir, il ne faut absolument pas qu'on laisse le tribalisme du régime. Parce que le régime, lui... C'est un tribaliste et il n'a pas commencé aujourd'hui. On peut ressortir depuis les années 90 et ce n'est pas qu'il est tribaliste parce qu'il aime plus un tribu que l'autre. Non, il est tribaliste parce que c'est un instrument pour lui de conserver son pouvoir. Donc il y a une construction du tribalisme. Il y a toute une construction. Et quand vous avez parlé de la loi, on a vu toute une chaîne... de télévision ici au Cameroun, où ils tenaient des propos haineux, des propos non seulement sur le plan ethnique d'ailleurs, ce qu'ils disaient sur les femmes, c'était extraordinaire. Moi, je refusais de passer sur cette chaîne pendant des années. Dans la responsabilité individuelle d'abord. La responsabilité, j'ai dit non. Et ils m'ont dit pourquoi. Je dis parce que les propos que vous tenez contre les femmes sont inacceptables. Moi, je suis une femme. Les propos que vous tenez contre les anglophones sont inacceptables. Les propos que vous tenez contre certaines ethnies sont inacceptables. Je ne vais pas venir jouer aux gentils avec vous quand vous faites des choses qui sont... ça fait partie des choses les plus dangereuses, des comportements les plus dangereux que vous pouvez avoir pour un pays. Alors, on va sortir de cette émission. Il nous reste exactement 3 minutes, pardonnez-moi. Alors, il y a eu une taxe de 33% sur les téléphones portables, les nouveaux téléphones portables, qui a été retirée. Rétro-pédalage du gouvernement sur cette taxe douanière-là. Alors, comment avez-vous perçu l'attitude du gouvernement sur cette taxe qui a été introduite et retirée aussitôt, avant même d'avoir été appliquée? Félicitations aux Camerounais.
Tout à l'heure, on a parlé du fait, est-ce que les Camerounais sont mobilisables ou pas? Oui. Les Camerounais se sont mobilisés sur Nfontax, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels. Et si le gouvernement a reculé, c'est parce qu'il a senti que ça, c'est une cause sur laquelle la population ne va pas lâcher. Pourquoi, oui. je veux pourquoi voler? Vous voulez voler, Kawala, pardonnez-moi de m'exprimer comme ça, mais pourquoi vous voulez voler la vedette à celui à qui tout cela revient, ce vaudeville-là? C'est quand même le président Paul Biya qui a mis fin à ce vaudeville. Pourquoi voulez-vous lui voler sa vedette à lui? Il a montré qu'il est proche des Camerounais, il écoute les Camerounais. S'il écoutait les Camerounais, ses ministres n'auraient pas introduit cette taxe. Ou d'où est venue la taxe? Hein? C'est une loi, mais la proposition de loi est venue du gouvernement Biya. Il était tellement proche de nous qu'il a introduit une taxe qui disait qu'on va se substituer aux importateurs. Il s'est dit qu'il n'était pas au courant et dès qu'il a été au courant, il a dit hey, « vous me stoppez ça, c'est son les Camerounais n'ont pas à payer pour l'incompétence de l'administration des douanes. » S'il n'était pas au courant, c'est qu'il ne gère pas son gouvernement. Et s'il ne gère pas son gouvernement, il aurait dû partir depuis, n'est-ce pas? Parce que nous... C'est nous qui payons son salaire tous les mois, c'est pour gérer le Cameroun. Oui. Donc s'il y a des propositions de loi qui viennent de son gouvernement sans que lui ne soit au courant, ça veut dire que c'est un absentéiste et il ne devrait plus être là. Maintenant, en ce qui concerne la taxe, c'est les Camerounais. Il est vrai que, encore une fois, et ça c'est la faute à Biya et non pas... la reconnaissance à Biya, c'était tellement mal ficelé. Oui. Tellement mal ficelé. On voyait un processus qui ne tenait pas sur le plan technique. Déjà, tous les informaticiens disaient que non, mais ça ne tient pas. Où est-ce que vous allez stocker les données? Comment ça va se passer? Ils voulaient avoir accès à nos données personnelles, données à un tiers avec qui on n'a pas signé de contrat, etc. C'était complètement farfelu, leur montage. Ça ne tenait pas sur le plan économique. Les implications économiques étaient tous très négatives. Ça ne tenait pas sur le plan du principe. En tant que citoyen, vous voulez que moi, je commence à payer la taxe de l'importateur sur le téléphone? Après demain, ce sera sur la voiture? Oui. Après demain, ce sera sur le riz? Oui. Orange a sollicité la BEAC pour voir si c'était possible de prélever le crédit pour payer une taxe. Non, dans un pays normal, M. Tanier, au moins, au minimum, 3 ministres auraient perdu leur poste. À ce point? Ah oui, parce que imaginez la honte pour un pays de créer une taxe qui, en réalité, crée une monnaie qui n'existe pas. Parce que c'était ça. Le mode de paiement, c'était du crédit de communication. C'était le crédit de communication qui n'a pas valeur de monnaie dans la zone BEAC. Comment ça se fait qu'une proposition de loi sort d'un ministère avec tous les techniciens, avec toutes les personnes qui sont là, et analysée et arrive jusqu'à être voté à l'Assemblée? On doit aussi poser la question à nos députés, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire pendant cette période-là. Et ce n'est qu'au moment de la mise en œuvre qu'on se rend compte de toutes ces incongruités pas possibles dans la loi. Félicitations aux Camerounais, restons vigilants. Ils ont tout simplement dit qu'ils ne vont pas mettre ça en œuvre de la manière... dont ils envisageaient. Oui, c'était un report. Donc, les Camerounais doivent rester très vigilants. Et je suis très contente parce que beaucoup de gens ont appris qu'on peut se mobiliser sur les réseaux sociaux pour une cause commune. Beaucoup de gens ont remarqué, on n'était pas des anglophones, des francophones, des nordistes, des sudistes, etc. On était des Camerounais à qui on voulait infliger une taxe. Et on a su se mobiliser. Je suis en train de voir le même enthousiasme sur End Anglophone Crisis. Et je crois qu'on passe à une autre étape là, dans notre engagement citoyen. Dernière question en quelques secondes. Quels sont, selon vous, les scénarios possibles de l'après-Biya?
je vais vous donner un seul. On n'a pas beaucoup de temps. Oui. Donc je vais vous donner celle qui est pour lequel moi je travaille. Oui. C'est que avant l'après-bia, oui. donc avant l'après-bia, les Camerounais prennent leurs responsabilités et que, comme le Soudan est en train de le faire, comme le Mali est en train de le faire, comme le Burkina Faso l'a fait, la Tunisie, nous prenons notre responsabilité, nous mettons ce régime hors état de nuire, nous nous asseyons pour un vrai dialogue, un dialogue qui va du bas vers le haut, nous décidons sur les réformes pour notre pays et nous refondons la nation camerounaise. Et nous terminons avec des élections où on aura enfin des vraies élections, des élections dignes de ce nom, et on va élire ceux qui doivent gouverner. Voilà le scénario sur lequel il faut que chaque Camerounais travaille. On en reste là, Kawala, merci. Merci. Mesdames et messieurs, très rapidement, il nous reste très peu de temps, je vais vous présenter quelques ouvrages pour vous permettre de poursuivre la réflexion sur les sujets qui ont été évoqués tout au long de cette émission. On va commencer par cet ouvrage très très intéressant de Étienne Balibar et Emmanuel Wallerstein. C'est Race, nation, classe. On parlait de tribalisme tout à l'heure. Ailleurs, les gens ont des problèmes de racisme. C'est un ouvrage rédigé par deux auteurs. L'un est philosophe français, l'autre vit aux États-Unis, il est également universitaire. Ouvrage très intéressant, Race, nation, classe. Un autre ouvrage, c'est Jean Asfeld qui a écrit de très bons ouvrages sur le Rwanda. C'est pratiquement un spécialiste du génocide rwandais. Cet ouvrage, Dans le nu de la vie, c'est Récit des marais rwandais. Et c'est le même qui avait, j'oublie le titre d'un autre ouvrage de lui, je vous le conseille. Il est malgache, il est journaliste et spécialiste du génocide rwandais. Cet autre ouvrage, Dynamique de l'ethnicité cité en Afrique. C'est un livre de Pascal Toyem qui parle également de la question du tribalisme, non pas seulement au Cameroun, mais également en Afrique. Un autre ouvrage assez intéressant, Construction identitaire en Afrique. C'est un ouvrage collectif sous la direction de David Simo. Cet autre livre, c'est Benoît Colomba et David Servenet, deux journalistes français, Au nom de la France. Et c'est un ouvrage très, très intéressant qui revient un peu sur la responsabilité de la France dans le génocide rwandais. Beaucoup estiment que la France était au courant, n'a rien dit. Et conséquence, 800 000 morts en un mois au Rwanda. Et enfin, cet autre livre, il y a une littérature assez vaste quand même sur la question du tribalisme et de l'ethnicité au Cameroun. Naxis Bambo, le titre, La conscience identitaire au Cameroun entre ethno-bureaucratie et ethno-économie. Voilà. Mesdames et messieurs, on en reste là. Merci d'avoir regardé Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, continuez à vous abonner à Naya TV. Merci. Made with virgin pulp of our forests, Tioff is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tioff pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tioff. Homemade by us for Africa. Plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifiée de sécurité.
installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module anti-vol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée.